Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose concernant la gestion des émotions. Alors, sachez que cette séance ne se substitue en aucun cas à un traitement médical ni à la consultation d'un professionnel, s'il y a besoin. Et alors, nous avons tous des émotions par lesquelles des fois nous sommes remplis et qui parfois peuvent devenir même énormes, que ce soit pour le bien ou que ce soit parfois peut-être même destructeur. Et alors ici nous allons parler d'une séance d'hypnose pour apprendre à avoir une gestion de ses émotions. Par exemple, que feriez-vous si vous pouviez modifier instantanément et à volonté l'intensité de vos émotions? Je vais prendre comme exemple le simple fait d'écouter, par exemple, cette séance d'hypnose, d'écouter un audio ou une musique ou la radio, peu importe, toute chose qui aurait du son sur lequel vous pourriez modifier le volume et l'amplitude. Eh bien, par cette séance d'hypnose, vous allez faire en sorte que ce soit possible d'aller gérer vos émotions et non l'inverse. Que ce ne soit pas vos émotions qui vous gèrent ou qui vous submergent ou vous dépassent. Et alors, pour profiter au mieux des bienfaits de ce travail, vous choisissez un lieu confortable où vous vous sentez totalement en sécurité. Et je pense que ceci est important. Donc peut-être que si vous êtes dans un endroit de bruit ou que vous n'êtes pas très bien, peut-être que ce n'est pas le moment de faire cette séance. L'idéal donc, c'est vraiment d'être dans un endroit où on se sent en sécurité, où on se sent bien et où vous pourrez vous concentrer sans être dérangé. Voilà. Donc, vous allez simplement commencer par vous installer confortablement. Et peut-être qu'en vous installant confortablement, vous sentez déjà un petit bien-être. Vous sentez déjà que vous êtes prêt ou prête à faire cette séance avec votre concentration. Donc vous vous installez agréablement dans la position que vous voulez. Et sachez que durant cette séance, si l'une de mes suggestions ne vous convient pas, vous pouvez à tout moment la laisser de côté et juste garder ce qui est bon pour vous, ce qui est seulement important pour vous. L'essentiel étant toujours que vous soyez bien, que vous vous sentiez bien. Donc, à présent, normalement, vous êtes confortablement installé et vous pouvez fermer directement les yeux pour plus de concentration, en sachant qu'à tout moment, vous pouvez bouger, changer de position pour toujours davantage de confort. Vous pouvez même bâiller, vous gratter. La seule chose qui est importante, c'est toujours que vous vous sentiez bien, que vous soyez bien. Donc, confortablement installé, vous allez commencer à inspirer longuement par le nez. Et vous vous chargez d'air et vous expirez longuement par la bouche. Et vous répétez cette respiration en inspirant longuement par le nez et en expirant longuement par la bouche.
et cette respiration a l'avantage de permettre au corps et au mental de se détendre, en tout cas d'aider à la détente. Cette respiration s'appelle même la respiration Ujjayi, et l'ayant pratiquée, je l'ai intégrée aux hypnoses. Moi, j'ai trouvé qu'elle était très efficace, je m'en sers même pour méditer. Passons. C'est votre séance, c'est votre moment rien qu'à vous. Donc vous continuez à inspirer longuement par le nez et à expirer longuement par la bouche. Et vous sentez sûrement déjà la détente qui s'installe davantage à chaque respiration. Et de nouveau une longue inspiration et une longue expiration, et vous continuez ainsi. Et plus vous continuez, et plus vous sentez que cela vous détend, vous fait du bien, vous relaxe. Vous inspirez longuement et vous expirez longuement. Et vous sentez votre corps agréablement installé, peut-être même de mieux en mieux à chaque respiration. Et vous vous sentez toujours mieux. Et vous savez qu'il n'y a rien de compliqué dans cette séance, seulement prendre ce moment pour vous. Seulement vous laisser aller. Et peut-être que plus vous respirez, et plus vous commencez à ressentir en vous cette paix intérieure. Cette paix qui envahit le corps et l'esprit. Détendez-vous. Et sentez le souffle de vie qui vient vous remplir de vie. Cette vie intelligente qui est présente dans chacune de nos cellules. Et peut-être qu'on pourrait parler d'énergie de vie qui traverse à chaque instant tout ce qui est visible comme invisible. Peut-être même que vous pouvez sentir cette énergie de vie qui vous traverse toujours plus. Peut-être que vous sentez la température du corps qui est idéale. Peut-être même que vous vous demandez vers quelle relaxation vous allez. Une relaxation profonde ou très profonde. Et vous sentez peut-être même les ondes du cerveau qui se modifient agréablement. Et vous continuez à respirer. Peut-être que vous sentez cette paix qui s'installe toujours plus en vous. Peut-être qu'une partie de vous-même écoute et sait de quoi je parle. Et peut-être que maintenant, vous pouvez revenir vers une respiration normale. Car vous sentez que vous êtes déjà agréablement détendu, confortablement installé et totalement calme. Et vous vous détendez toujours plus.
peut-être que maintenant l'état est favorable et que vous pouvez vous concentrer pour vous imaginer, par exemple, dans la cour d'une école. Et alors, vous visualisez clairement et parfaitement cette cour d'école. Peut-être que vous visualisez des arbres. Et les élèves en récréation qui jouent, qui courent, qui rient dans la bonne humeur. Et peut-être que vous pouvez voir la cloche juste près de la porte de la salle de classe. Et alors, comme c'est la fin de la récréation, peut-être que vous vous rapprochez de cette cloche car vous êtes le maître ou la maîtresse. Et vous allez donc sonner la fin de cette récréation. Alors vous êtes donc près de cette cloche. Et en imaginant cette scène, que vous êtes devant cette cloche, vous allez vous-même lever le bras comme si vous y étiez. Et vous prenez la chaînette de cette cloche et vous tirez et vous faites le mouvement nécessaire pour que cette cloche sonne. Et vous tirez, vous relâchez, vous tirez encore et davantage et vous sonnez jusqu'à ce que chacun des élèves soit arrivé et se mette en rang près de vous. Et vous sonnez encore, encore, davantage. Et comme les élèves pénètrent dans cette salle de classe, alors vous arrêtez de sonner et de tirer la chaînette de la cloche, que vous relâchez. Et alors, vous laissez retomber le bras près de vous, le long de votre corps, et alors, vous vous laissez aller profondément, toujours et davantage, toujours plus profondément dans ce merveilleux et agréable état hypnotique. La respiration est lente, régulière et calme. Et chaque inspiration ainsi que chaque relâchement vous font plonger davantage dans ce merveilleux et agréable état hypnotique. Détendez-vous. Totalement détendu, totalement relaxé. Le corps se relaxe, le corps se relâche. Détendez-vous. Et vous pensez, je me détends, je me détends. Et plus vous pensez « je me détends » et plus vous vous détendez. Et plus vous entendez « détendez-vous » alors que vous pensez « je me détends » et plus le corps se relaxe et se relâche davantage. Détendez-vous. Peut-être que tout devient limpide dans la tête, que tout s'y confond, que
que tout votre esprit s'engourdit, que tout s'y mélange, et que tout votre esprit s'engourdit de plus en plus et davantage, de plus en plus profondément, et que toute activité mentale décroît. Il n'y a plus rien dans votre tête qui vient perturber la relaxation et la détente. Et votre mental se vide encore et encore, davantage. Et vous pensez, je me détends. Détendez-vous. Et vous sentez que votre mental se vide encore et encore et davantage, de plus en plus, votre mental se vide, complètement vide. Et désormais, avec ma voix, seul le son de ma voix vous intéresse. Et les suggestions que je prononce vous intéressent. Et vous allez garder cet état pendant cette séance. Je me détends. Détendez-vous. Le corps se relâche. Le corps se relaxe. Et une partie de votre esprit se tourne davantage vers l'intérieur de vous-même. Et vous intériorisez votre esprit, votre conscience. Détendez-vous. Et vous vous enfoncez toujours davantage dans le calme, la sérénité et la détente. Avec cette respiration qui est de plus en plus calme. Et vous sentez que vous plongez encore plus intensément et plus profondément dans ce merveilleux et agréable état hypnotique, en détente profonde. Et vous pensez, je me détends. Détendez-vous. Et plus vous vous concentrez sur cette détente, et plus vous êtes détendu, et plus vous vous concentrez sur ce bien-être, et plus vous sentez de plus en plus profondément ce merveilleux et agréable état hypnotique grandir. La détente profonde. Détendez-vous. Et vous commencez alors à imaginer un écran devant vous. Un écran de cinéma, par exemple. Et vous êtes alors spectateur ou spectatrice de cet écran. Et vous êtes peut-être confortablement installé dans un fauteuil de cinéma. Un fauteuil agréable où vous avez la place. Et vous commencez à regarder l'écran qui est devant vous. En faisant comme si vous regardiez juste un film. Et
vous regardez une expérience qui peut être récente ou peut-être plus lointaine dans laquelle la personne que vous étiez est trop envahie par ses émotions. Et je vais me taire un instant pour que vous regardiez ce film. Bien. À présent, peut-être que vous pouvez imaginer les fils électriques qui alimentent l'écran devant vous. Imaginez que ces fils remontent jusqu'à votre cerveau. Ils remontent jusqu'à votre cerveau, jusqu'à l'intérieur de votre cerveau. Suivez leur trajectoire, leur chemin. Et vous avez du coup le contrôle total sur les choses. Et alors, peut-être que vous pouvez imaginer un bouton de réglage de l'intensité émotionnelle duquel vous auriez le contrôle. Bien. Et alors peut-être que vous allez diminuer le volume des émotions ou peut-être leur niveau et vous baissez encore le volume. Allez-y, baissez-le. Très bien. Et alors que vous avez réduit le volume des émotions, je vais me taire pour vous permettre de vivre en imagination cette nouvelle situation. Cette situation que vous pouvez modifier. Cette situation différente en situation plus positive et bien meilleure pour vous. Et vous faites comme si vous y étiez. Voyez tout ce qu'il y a à voir, les images, les couleurs, les sons, entendez tout ce qu'il y a à entendre et ressentez tout ce qu'il y a de bon à ressentir. Comme désormais, ces émotions sont beaucoup plus centrées, beaucoup plus équilibrées. À partir de maintenant et dans votre quotidien, quel que soit le lieu, le moment et les personnes qui vous entourent, le niveau de vos émotions est centré, équilibré, stable et positif, mais bon pour vous. Et je répète, à partir de maintenant et dans votre quotidien, quel que soit le lieu, le moment ou les personnes qui vous entourent, le niveau de vos émotions est centré, équilibré, stable et positif, et bien meilleur, et bon pour vous. Et vous pourrez penser à cette séance à chaque fois que vous en ressentirez le besoin. Bien. Et maintenant, vous allez revenir à cette réalité. Et pour cela,
je vais compter jusqu'à 3. 1. Vous ressentez votre corps et vous ressentez déjà le contact entre votre corps et le fauteuil ou l'endroit où vous êtes installé, où votre corps est agréablement installé. 2. Vous inspirez profondément et vous soufflez complètement. Vous inspirez profondément et vous soufflez complètement. Vous relâchez complètement et vos paupières sont plus légères. Vous vous apprêtez à revenir ici et maintenant. Et vous pouvez déjà sentir votre cou, votre tête, votre nuque et tout votre corps parfaitement détendu et relaxé. 3. Vous revenez ici et maintenant et vous ouvrez vos yeux. Et vous pouvez rester un instant dans cette position agréable, dans ce confort, ou vous pouvez retourner simplement à vos activités. Et je vous félicite pour votre travail. Sachez que vous pouvez réécouter cette hypnose autant que vous le voulez, autant que vous le désirez. Je vous remercie de votre présence en espérant que cette hypnose vous aura été efficace, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également commenter, liker les vidéos si tout cela vous plaît, commenter si ça ne vous plaît pas, faites comme vous en avez envie. Et donc je vous souhaite une agréable journée, peut-être soirée ou peut-être nuit. Et je vous dis peut-être à bientôt.